Salut à tous, c'est Linkos, bienvenue dans ce 65e épisode de Pokémon Bouclier. On a commencé le deuxième DLC de... Et on a fini le premier. Du coup, voilà, nous sommes à Couronneige actuellement. On a rencontré un père et une fille. Le père, il s'appelait Dylan, et la fille, elle avait un nom bizarre. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, elle s'est rendue... Je pense que la petite fille... s'est rendu dans cette grand antre Dynamax et le père l'a suivi et du coup on y va, c'est parti. Oh. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas possible, mais pourquoi ma petite Pivonia, voilà, a bien pu passer, elle. Certes, mais... Alors, il est où le problème? Moi aussi, je veux partir en expédition. J'entends bien, mais malheureusement, je ne peux pas vous laisser passer. Ah. Tiens, tu es venu, finalement. Tout va bien? Cette scientifique commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Pardon, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité, ma parole. Nous n'en serions pas là si vous ne m'écoutiez. Ouais, une expédition Dynamax n'est pas sans risque, je ne peux pas vous laisser y aller comme ça. Mais c'est quoi toutes ces précautions? Ça ne me fait pas peur à moi. Ah, on tourne en rond depuis tout à l'heure. Vous connaissez, non? Dans ce cas, vous voulez bien écouter les consignes de sécurité? Si au moins l'un de vous deux a compris, je peux vous laisser y aller ensemble. Alors ça, ça fait plaisir à entendre. Bon, t'écoutes ce que la dame a à dire, puis on va chercher ma petite Pivonia, d'accord? Ah oui, d'accord. C'est moi qui se tape tout le sale boulot. C'est quoi ça? Ah, c'est des coléodomes, ça. Ces Pokémon nous aident dans nos recherches. D'accord. Je propose de fabuleux objets en échange de Dynamaxium. Ah! Oh! D'accord. Ok. Ok, ok. Pas mal, pas mal. Ah ouais, Ultra Ball. Capsule d'argent. Pilule talent. Patch talent. Attendez. Un objet qui permet de remplacer le talent ordinaire par un talent rare. Un talent caché? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas tout à fait la même chose. Armurium. Oh. Ok. Ok, ok. Alors, voyons voir. Souhaitez-vous écouter les consignes de sécurité relatives aux expéditions Dynamax? Bien sûr. Voilà ce que je voulais entendre. T'inquiète, je te refaudrai ça. Très bien. Dans ce cas, je vais vous expliquer. Le Grand Antre Dynamax est un labyrinthe souterrain qui abrite des Pokémon rares, normalement impossibles à croiser à Galar. Ah, ok. Former une équipe de 4 joueurs à explorer le mystérieux Grand Antre Dynamax. Un Pokémon légendaire se trouve tout au fond. Ah ouais, il nous montre Giratina comme ça, carrément. Dans les expéditions Dynamax, chaque joueur choisit un Pokémon d'emprunt pour l'accompagner lors de l'exploration des antres. D'accord? Votre équipe de joueurs devra décider quel chemin emprunter à chaque intersection. Vous battrez ensemble dans des raids Dynamax contre les Pokémon que vous rencontrerez. Remplacez votre Pokémon en capturant ceux que vous trouverez pour aller jusqu'au bout. Ah ouais, ok. L'exposition Galarion risque de faire perdre tout contrôle à vos Pokémon. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde d'emprunter un de nos Pokémon avant d'entrer. D'accord. Ceux-ci ont reçu un entraînement spécial qui leur permet de résister aux effets des Galarion. Ah d'accord, ah d'accord. Donc si je perds tout contrôle, je serai fort comme 4 personnes. Et donc on pourra emprunter des Pokémon rares sans avoir besoin de résister aux Galarion. Ah, n'y êtes pas du tout. Écoutez, cet endroit n'est pas sans risque.
Vous devez mémoriser les consignes de sécurité. J'y comprends rien, vos histoires, faut être un attelo pour rentrer ou quoi? Bon, vous savez quoi, je m'en fiche, j'y vais. J'arrive, ma petite Pivonia. Putain, mais au secours. Non, attendez, n'y allez pas, c'est dangereux. Quel énergumène celui-là. Il a beau ressembler au président Chérose au niveau du caractère, c'est le jour et la nuit. Ah? C'est peut-être pas pour rien qu'il avait un Pachiraja hein, dans le précédent épisode lorsqu'on l'a battu. Si vous avez le courage d'aller le chercher, ou si l'expédition Dynamax vous intéresse, tout simplement, faites-moi signe. Elle a fait juste un pas. Et c'est tout. Oui. Mais let's go, hein. Une fois l'exploration terminée, vous recevrez du Dynamaxium en récompense pour vos efforts. Nous vous demandons de remettre les Pokémon capturés lors de l'expédition, car nous en avons besoin pour nos recherches. Ok, donc on va devoir emprunter des Pokémon. C'est très bien. Mais vous aurez tout de même le droit d'en garder un si vous le souhaitez. Il me parle de quoi? Ah, d'un Pokémon qu'on capture? Je sais pas, attendez. Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà, qu'est-ce que... Bon, j'ai eu une petite coupure de courant d'électricité, donc je ne sais plus où j'en étais, tout simplement. Je ne sais pas si je laisserai le passage, parce que, putain, je me suis dit ce qui se passait. Bref, voilà. Voilà, je voulais voir comment ça se passe, en fait. Donc, c'est parti pour l'expédition Dynamax. Et on sauvegarde, ok. Alors, pour une première expédition, il est conseillé de ne pas chercher d'autres joueurs afin de se familiariser avec les règles. Bah ouais. Ne pas chercher d'autres joueurs. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Dunaconda. Ah mais merde. Qui je vais prendre? Allez, Dunaconda. Ok. D'accord, ok. Donc ça se passe comme ça. Ah ouais, d'accord. Le fond de l'antre émet une énergie, ok. Et du coup... Ah oui, attendez. Ah ouais, d'accord, ok. On va aller à gauche. Hein. On va aller à gauche, ok. Ah ouais. Bon, j'imagine qu'on a des secondes. Parce que bon, c'est pas sans risque qu'on se fasse attaquer. On va dire qu'on est RP un petit peu. Ah bon, ok, Archéodong, mais il est de type assez psy, bon. Dunaconda, c'est pas... Ok, ça se passe comme ça. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Eh ben, parfait en plus. Sable ardent, c'est super efficace. Ça fait quoi, sable ardent? Oui, bon, après, le problème, c'est qu'il a, je pense... Et ravage rampant, c'est quoi? Baisse l'attaque spéciale de la cible, ok. Je peux dynamaxer direct. Enlisement, j'ai max. Mais est-ce que... Enfin, je ne sais pas s'il a lévitation ou pas. Je vais faire Insectomax, écoutez. Allez, c'est parti. Donc, on est parti pour des expéditions Dynamax. Ça va être intéressant. Et on a un Pokémon au bout. Mais du coup, ça serait un Pokémon légendaire, hein, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a en haut légendaire? Il y a Suicune. Il y a Caldeo. Il y a... Bon, bref. Mais après, je pense pas que ça sera des fabuleux. Ok, ok. Bah écoutez, on est parti. Hein. Pied brûleur. Ah bah écoutez, très très bien. Insectomax, on va pas faire grand chose je pense, mais bon.
c'est pas grave. Ouais, le truc c'est que je sais pas s'il a lévitation. Coaching. Oh. Ah, pas mal. Ah, ça augmente tout le monde. Très bien ça. Metal Hero. Ok, d'accord, ça a échoué. Bah écoutez, on va pas se fouler, on va refaire un Sectomax. Tout simplement. Pouf. Ah, j'aime bien. Ok, j'aime bien. Et j'ai de mon mate en plus. Bah ouais, on va l'attraper. On a 961 Pokéball, hein, tout va bien. Allez, c'est parti! Ah, on est stylé comme ça. Ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup ce début de DLC 2. Et 2, hein. Oh! C'était une capture critique? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Hein. Ok, ah, et du coup, on peut échanger entre lui et lui. On va garder le même Pokémon, je pense. Ouais, on va garder le même Pokémon. Ok, lui, il a pris Archéodong. Ok. Bah écoutez, on va aller celui de feu. Il y a... Après, bon... Archéodong est sensible. Et seul, ça... Ouais. Ok, go celui de feu. J'aime beaucoup, hein. Ah. Ah. Je peux vous échanger un... Oh, c'est un type proche. Mais non. Mais je voulais pas forcément faire ça. Pourquoi ça m'a indiqué type proche? Je ne sais pas. Parce qu'il avait une attaque roche. Je sais pas. Oh. Quoi? Mais... Ouais, attendez, mais ce galifeu? What? Mais c'est quoi ce galifeu là? Mais il a une tête trop bizarre. what? Ok, bon. Bon, allez, on va faire... On va faire Kagicle. Ah, mais je ne sais même plus si ça marche, les attaques de statues comme ça. Ah, attendez, je teste. Oh, Psychrocop, croc, ok. Ah, mais non! Ah, oh! Bah, écoutez, c'est pas mal. Balayette. Ça fait un petit peu mal, mais ça va. Échange. Tiens donc. Si vous voulez. Ok, bon, là, on va faire Ultima Washi. Monte tension. Mais what? Paratonnerre d'Archéodong maintenant. Mais énorme. Oh, pas mal. Pas mal, pas trop mal. Mais arrêtez de faire des échanges là. Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils me font? Dans ce plume. Oh lol. Tombe roche. Ouais, bah du coup, ça fait pas trop mal. On va refaire Ultima Washi, hein, écoutez. Monte tension. Ultima Washi. Ah, oh, il est presque KO. Mais non, mais pourquoi tu fais pas d'attaque? Oh mon dieu. Là, il y a les IA là. Il commence à faire l'imp. Qu'est-ce qui se passe, hein? Coaching. Oh bah, merci, mais bon. Et pourquoi t'as pas fait coaching avant? Ah là 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 là, mon dieu! Balayette! Bah oui, mais. Il est bête. Ouais, je peux dynamaxer, mais je m'en fous. Allez. Câlinerie. Psychocroc. Voilà, ça le finit. L'attraper. Par
contre, vous avez vu, il... Mais c'est en fait, c'est l'aura, hein. Il est pas shiny. Mais c'est trop bizarre. Ok, voilà, capturé. Galif, parfait. Oh, il a de bons trucs. Mais je pense que je vais garder le même Pokémon, en vrai. Ouais, garder le même Pokémon. Alors ensuite, oh, poison ou combat. Ou dragon même. Oh, peut-être dragon. Après, il y a une scientifique là. Allez, on va tenter dragon vu qu'on a Kalinri, c'est pour ça. Et après, ça sera le truc final. Attention les yeux. Oh, un draco. Ah, c'est intéressant, franchement, hein, ces expéditions Dynamax. Franchement. Parce que je sais que du coup, c'est pour avoir les Pokémon légendaires, mais il faut aller les chercher. Et le fait qu'ils aient justifié ça pour emprunter des Pokémon, parce que les Raja Solutions, ou je ne sais plus, sont trop forts pour nos Pokémon, vu qu'ils sont pas habitués, ben, c'est une bonne chose. Oh, à quoi? Oulalalala. Attention à ne pas succomber, hein. Ok. On va refaire Kalinri. Psychocroc, c'est pas mal. Kalinri. Hop là. Oh, Blizzard. Hop. Ok, l'archéodong prend cher. Stridoson, pas mal. Ouais, Machopper, reviens. On va refaire Kalinri. Oh, surchauffe. Ah ouais, mais bon, ça fait pas grand chose, hein. Kalinri. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, les modifications de stats sont annulées. Ok, ça va. Prends, il est gelé. La malchance. Mais non, mais il n'arrête pas de faire échange. C'est trop chiant. Oh, ok, je peux dynamaxer. Écoutez, j'aime mieux assurer en faisant Chantomax et en le mettant KO. Ouais. Ah. Et voilà, bobo. Ça ne rigole pas. Ouah, surchauffe, ok. Allez, allez. J'aime mieux ne pas rater mon attaque, en fait, c'est pour ça. Et je trouve l'attaque belle. Ok, parfait. Et voilà. On va pouvoir capturer ce draco. Hop, Pokéball. Est-ce qu'on peut les rater? Je pense que aussi, hein. Y a pas de raison, hein. Heureusement qu'on en a 959 de Pokéball, hein. Et voilà. Bon. Ça se capture tout seul, hein. Ce ne sont pas des captures critiques. Mais si vous découvrez avec moi, je pense que vous serez assez content, hein. Alors, ah, il a de bonnes attaques. Oh là 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 là. Je vais changer de Pokémon. Ouais. Parce que franchement, Draco, surtout pour contre le Pokémon oh là, on est parti. Attention. Oh, la musique. Oh, c'est Suicune.
Ok, c'est parti. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait quoi, Rafa, l'écaille? Je regarde, hein. Augmente la vitesse, mais diminue la défense. Ouah, j'aime pas trop ça. On peut faire abattage. On peut commencer par abattage. Ah, oh, c'est vrai qu'on est même pas soigné, hein, en plus. Ah, extrasenseur. Aïe, 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 ça fait mal. On fait rien du tout. En fait, j'attends le bon moment de... Ah, il l'a pas... Ah, ils ont pas pu se soigner. Mais, oh, Archéodonx, please, quoi. Ça sert à quelque chose. Je regarde mon équipe. Ah ouais, d'accord, ok. Mais tu pourrais faire petit coup de boule au moins, ou stridoson. Fais stridoson. Bon, écoutez, on va faire Fatal Foudre. Il y a une chance d'échouer, mais bon. Ah, mais c'est complètement con, ça. Oh là là là. Mais mon Dieu. Mon Dieu. Mais du coup... Non, mais ça va être la merde. Ça va être la merde parce... Mais ouais, mais c'est de la merde. Paratonnerre de merde. Oh mon Dieu. Mais ah, il évite l'attaque. Je vais faire Blizzard. Oh putain. Mais ouais, mais c'est de la merde. Oh là 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 là. Ah, mais j'aurais jamais dû changer de Pokémon. Ah, il est pas KO, heureusement, hein. Ah non, je le gèle pas, bien sûr. Mais ah, il sert tellement à rien. Bon, je... Bah ouais, mais le problème, je vais Dynamaxer, ok. Mais tu vas pas me dire que ça va faire sur Archéodong. Ah non, si ça fait ça, oh, je crise. Ça va pas ignorer le talent, hein. Non, mais please, quoi. Putain. Please, please, please. Ah non, hein. Mais c'est n'importe quoi. Oh, putain. Hydromax, oh lolo, ça va faire mal. Ah mais oh, en vrai il aurait dû le tuer, putain. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, putain. Oh là là, mais mon Dieu. Bon, heureusement qu'il perd sa vie petit à petit, mais quand même, quel enfer. Mais non, mais il fait ça maintenant, quoi. Ah, ben là, maintenant... Ah bah ouais, mais non, ça va être la même chose pour nous. Putain. Ah, bon, on va faire Dracomax. Au moins, ça va faire des dégâts. Ok, ben là, cette fois-ci, il peut attaquer, vu qu'il a récupéré son propre talon, Electsprint. Avec échange. Mon Dieu, quelle galère. Écoutez, on se retrouve à la fin du combat, si on y arrive. Ok, bah, Electsprint a été mis KO. Ah là 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 là. Mais il faut pas d'autres KO par contre. Il faut pas d'autres KO. Petit coup de boule, c'est pas mal. Allez, on a fait la moitié. Et là, on peut refaire Fulgure au max. Ça devrait faire assez mal. Ouais, vitesse extrême. Oh là 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 là. C'est tendu, hein. Ouais, coup critique. C'est tendu, c'est tendu. Ah, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Ah, ça fait vraiment rien. Oh, Dynamo Point, ça a marché. Il est confus. Incroyable.
Il est presque KO, il est presque KO. Allez, 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 là. Allez, il faut attaquer, il faut attaquer. Non, mais pas coaching, voyons. Ah non. Non, 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 mais please. Putain, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Oh, Psycho Max, non. Pas sur match, non. Non. Oh non, on a perdu. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah, attends, quoi? Il est pas KO, ma Chopin? Oh, mais quoi? Mais c'est un miracle! Attendez, quoi? Mais j'ai pas compris. À un moment, ça a écrit et il réagit bizarrement, mais qui? Je ne sais pas. Oh là là, je veux le mettre dans une belle bol. L'Honor Ball. Allez! Allez! Un petit Suicune là, hein. Oh oui! Incroyable. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Eh oui! Ah, et du coup, on a Suicune. Incroyable. Et voilà. C'est magique. Ah, mais je me demande qu'est-ce que je vais garder, moi, hein. Oh là 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 là. Eh ben, écoutez. Tiens, on va regarder. On va regarder les résumés des Pokémon. Ok, il avait Aquabrèche, Extrasenseur. D'accord. Et ça, c'est... Ok, sympa. Ah bah, choisir Suicune. Vous remettez à la scientifique les Pokémon que vous n'avez pas souhaité garder. Ok, c'est bon. Enfin, ainsi que celui que vous aviez emprunté. Eh ben, c'est parfait. Fond de l'antre atteint, x2, Pokémon hors du commun obtenu, x3, ok. Exploration de l'antre, x4. Ok, 9 Dynamaxium. Non. Je vais pas le mettre dans mon équipe. Je vais pas le mettre dans mon équipe. Ah, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Putain, il y avait un vrai suspense là, hein, pour savoir si on allait le battre ou pas. Ouh. C'était chaud, hein. Oh. Hey, mais je te reconnais. T'es là pour l'expédition Dynamax. Je vois qu'on a les mêmes goûts. Trop cool. Au fait, moi, c'est Pivonia. Et toi, tu t'appelles comment? Putain, mais comment elle est là? Je m'appelle Linkos. Mais quoi? Mais mon idole suffira. Mais quoi? Attendez, je regarde un truc. Ok, ça va. Ah oui, ok. Waouh, ton nom te va super bien. Tes parents ont géré. Quoi? Mon père est dans le coin? Je l'ai pas vu. Il a dû se paumer et retourner à l'entrée. Au fait, désolé pour tout à l'heure, je me suis un peu servi de toi pour lui échapper. En même temps, il est grave relou. Enfin bref, tu t'en es sorti au final. Non! T'as battu mon père! Il était champion d'arène avant, tu sais. Alors même s'il était en mode vacances, là, c'est pas évident de le vaincre. En parlant de vacances, il avait tellement hâte qu'on fasse ce voyage. Il a créé tout un itinéraire en rapport avec les légendes locales ou je ne sais trop quoi. Il est marrant, mais j'ai plus 4 ans, moi. À mon âge, c'est la honte de partir en vacances avec ses parents. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de me battre contre des Pokémon Dynamax. Ça a vraiment l'air épique d'affronter des Pokémon gigantesques. Eh, mais j'y pense. Si t'es si fort que ça, tu ne voudrais pas voyager avec mon père à ma place? Non, je sais pas trop. Mais si t'inquiète, on dirait pas comme ça, mais il s'occupe super bien des gens. Bah, j'ai bien remarqué ça. Mon père est tellement à fond sur ce voyage, ce serait trop triste de le laisser seul. Ouais, bon.
Et puis comme ça, tu pourras peut-être croiser des Pokémon légendaires. Moi, je vais rester m'amuser dans ce grand antre Dynamax. Je vous rejoindrai plus tard. Profitez bien de vos légendes là. Je te laisse expliquer tout ça à mon père, ok? Ah d'accord, elle me laisse comme ça. Bon bah écoute, amuse-toi bien. Mais bon, je peux pas m'amuser. Aïe. Bah alors. Ah oui, mais il est en PLS là. Ok. Ah, il est vachement en PLS. Alors. Ah mais du coup on est connecté là? Ah non, on n'est pas connecté. Je voulais juste voir un truc. Alors, ouais, voilà, carte de ligue. On avait récupéré la carte de ligue de Mustard. Rare, en tout cas. Et j'avais oublié de la regarder. Cette photo... Alors, regardons la photo, ok. Ah, mais attendez. Cette photo a été prise le jour où Mustard est devenu maître après avoir battu la championne du type fée il y a environ 50 ans. Il resta alors invaincu jusqu'à la triste disparition de son Pokémon partenaire, après quoi il enchaîna les défaites. Malgré la perte de son titre, il resta très populaire, mais il décida de quitter la ligue quand le président de l'époque lui demanda de remporter un match truqué. Ah oui. Depuis sa retraite, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Apparemment, il s'était gardé de partager cette passion pendant sa carrière pour préserver son image auprès des fans. D'accord. Intéressant. Bon, on va juste parler à Monsieur Dylan. Et après, on s'arrête là. Ah, ça fait mal, ça fait même très mal, Pivonia. Où est ma petite Pivonia? Tout va bien? Il a trébuché sur un rocher et s'est cogné la tête. Ah, d'accord. Aïe, 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 aïe. Je crois enfin que j'ai enfin compris le vrai danger de ces expéditions à mes dépens. Si vous voulez tout savoir, je me suis blessé en cherchant ma fille entre les rochers. Entre les rochers? Quelle drôle d'idée! Votre fille n'est pas un charbi, à ce que je sache. Oui, d'accord. Bah, en tout cas, il en faut plus pour m'arrêter à un peu de repos et se reparti. Au fait, jeune homme, t'as trouvé ma petite Pivonia, au final? Eh bien, pour tout vous dire... D'accord. Donc, ma petite Pivonia reviendra pas avant d'en avoir fini avec ses expéditions Dynamax. Mais elle a raison, Pivonia. Elle veut pas qu'on l'attende pour commencer mon super tour de la région. Je l'ai fait spécialement pour elle et j'y ai passé des nuits entières, mais bon... Je suppose qu'elle commence à vouloir prendre son indépendance. De toute façon, mieux vaut pas la forcer si elle ressent le besoin de s'affirmer. Bon, il serait peut-être temps que tu me dises comment tu t'appelles. Ah bah oui. Linko, c'est ça? Moi, c'est Dylan. Ah, je m'étais pas déjà présenté? Ah ah, enchanté à nouveau alors. Ok, on a sa carte de ligue. Tu verras, on va tellement s'éclater que ma petite Pivonium va mourir d'envie de se joindre à nous. Prêt pour l'aventure de ta vie? Ouais, youpi! Ah ah ah, t'en fais pas, tu vas voir, j'ai préparé tout un plot. Plein de trucs, oui, voilà. Vous avez compris, hein. On va partir à la recherche de Pokémon légendaires. En fait, il faut que je bois parce que après. Et je propose qu'on y aille sans plus attendre. Bah ça c'est ce qu'on verra. Rendez-vous au hameau gelé juste à côté pour la première étape du voyage d'exploration organisé par Dylan. Tu recevras les détails de la mission sur place. Alors rends-toi à la base d'opération au plus vite, c'est bien compris? Ah ah ah, t'inquiète, je rigole. On va y aller tranquille, donc rejoins-moi quand tu peux. Allez, à plus dans le bus. Allez, d'accord. Bon. Bah on avait déjà vu le hameau gelé, hein, souvenez-vous, dans le dernier épisode. Un petit peu, en tout cas. On va regarder sa carte de ligue et on s'arrête là. Je pense que ça fera une bonne durée. Donc voyons voir. Ah, ex-champion d'arène du type acier. Dylan a toujours eu un style de combat dynamique et intense, ce qui compliquait l'entretien du terrain de son arène. Affectueusement surnommé le boss de l'acier, il compte encore de nombreux fans, surtout parmi les hommes. Cette image est en réalité un montage créé à partir d'une photo prise avant son arrivée à Couronneige. Il en a d'abord fait un mini poster qu'il a inséré dans un carnet de voyage familial, mais sa fille l'a immédiatement jeté à la poubelle.
Toutefois, ça, se trouvant photogénique dessus, il décide d'en faire sa carte de ligue. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah écoutez, ma foi, c'était fort sympathique cet épisode. À voir ce que me réservera la suite. Si je lui reparle. Ah, et du coup, on peut faire autant d'expéditions Dynamax qu'on veut. Ok. Mais bon, moi je suis là surtout pour l'histoire, on va dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette première expédition Dynamax en découverte vous aura plu. On se retrouvera pour le 66e épisode de Pokémon Bouclier. Allez, c'était Linkos. Bye tout le monde.